On ne veut pas s'affronter politiquement dans les jeux. Mais finalement, le fait qu'on a les mêmes acteurs que la géopolitique fait qu'il y a forcément des rencontres, des confrontations, des exclusions, comme c'est le cas pour la Russie aujourd'hui, et puis des craintes aussi, la crainte sécuritaire depuis l'attentat de Munich en 72 contre la délégation israélienne. Bah, oui, on sait que les conflits, la violence peuvent arriver dans les Jeux Olympiques. Le cas des Jeux de Berlin est intéressant en 1936 parce qu'ils sont attribués à l'Allemagne avant l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933. Et l'arrivée des nazis au pouvoir déclenche un mouvement de boycott international parce qu'on ne veut pas justement qu'un régime fasciste, raciste puisse profiter de l'arène olympique pour faire de la propagande en réalité. Mais d'un autre côté, au départ, pour Hitler, accueillir les Jeux Olympiques ne lui semblait pas forcément une idée très pertinente puisqu'elle allait à l'encontre de la théorie de la supériorité raciale des Aryens, puisque faire concourir ensemble des gens de toute origine, de toute ethnie, ça n'allait pas du tout avec le projet. Dans l'exposition, on voit que finalement, c'est aussi une histoire de gestes. Il y a des gestes sportifs, il y a des gestes militants, il y a des gestes des fois très personnels, très spontanés, qui vont avoir une résonance internationale et qui vont devenir symboliques parce qu'ils sont vus par le monde entier à ce moment-là. On peut citer bien sûr les victoires de Jesse Owens à Berlin, qui sont des exploits sportifs, mais dont la portée aujourd'hui et même à l'époque a une résonance incroyable parce qu'elles viennent contredire sur son terrain les théories racistes du nazisme. Deux athlètes africains-américains lèvent le poing pour protester contre les discriminations persistantes aux États-Unis et réclamer l'égalité des droits. Donc c'est un geste qui est intentionnel, qui est militant et qui leur vaut d'être exclus immédiatement des Jeux Olympiques, sanctionnés.